l'après-midi. Si vous voulez applaudir, vous pouvez le faire. Ça fait toujours plaisir. Vous ne gênez pas. J'en profite pour vous saluer, pour vous souhaiter un excellent moment en notre compagnie. Un petit bonjour à nos amis tunisiens. Tiens, j'ai appris qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai appris qu'ils nous regardaient régulièrement et qu'on était chez eux tous les après-midi. Donc, je les salue. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors, forme, relaxation, détente, souplesse, bonne humeur, chanson. Eh bien, c'est tout ce que je vous propose pendant près d'une heure avec notre invité. Ça me fait très, très plaisir de l'accueillir. C'est la première fois que j'aurai l'occasion de passer une heure avec elle. Et vous allez... Excusez-moi, pardon, deux minutes, je termine ma phrase. Vous allez pouvoir l'applaudir très, 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 très fort. On va écouter un titre extrait de son dernier album, Confidence. Ça vous dit quelque chose? Attention, Madame Sylvie Vartan. Sylvie. Très bien. Bon, alors ça c'est bien l'extrait du dernier album. Tout à fait. Confidence avec danse, D-A-N-E-S-E-S. Et ça, ça tombe très très bien, voilà. Puisque ce sera un peu le sujet de cet après-midi show que nous avons voulu consacrer à la forme, la relaxation, la gymnastique, parce que ça vous connaît un petit peu. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça me paraît très bien tout ça. Ça fait combien de temps que vous avez découvert justement toute...
toute cette panoplie comme ça de très vite, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chanter, je ne voyais mon métier que par le spectacle, à vrai dire, et par la scène. Et j'ai toujours eu envie de faire des spectacles avec un côté un peu théâtral et qui, bien sûr, comportait la danse. C'était vraiment très, très important pour moi. Et beaucoup de travail, hein, parce que quand on parle de vous dans le métier... Ben, quand on parle de danse, il faut travailler, c'est sûr, voilà. Parce qu'on n'est pas danseur sans travail, ça n'existe pas. Et puis, de toutes les manières, dans chaque métier, on ne peut pas réussir sans travailler. Un tennisman ne peut pas ne pas taper des balles toute la journée pour arriver à être le meilleur. Ou quand on est Lendl ou McEnroe ou Borg, on passe sa vie à taper des balles pendant des heures et des heures. Moi, je ne vais pas parler de vous parce que je vous connais moins bien que certaines personnes. Alors, on est allé trouver quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est un grand directeur de casting. J'en dis pas plus. Ah. Mais lui a su nous parler de Sylvie Vartan. C'est notre séquence Bal et Masque. C'est quelqu'un de très digne, de très droit. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, c'est quelqu'un qui se cache beaucoup. C'est vrai qu'on est très surpris quand on voit ses photos où elle est des fois un peu distante, un peu froide, un peu éloignée, alors que dans la vie, elle est vivante, elle a un sourire merveilleux, elle est drôle, elle est intelligente, et en espèce de contrôle comme ça. Mais bon, peut-être que ça vient d'une timidité, peut-être aussi ça vient du fait qu'elle a tellement... Vous savez, tous ces artistes des années 60 ont tellement fait de photos, tellement de choses, qu'à un moment donné, ils doivent plus. Ça doit être un peu une contrainte. Sylvie a été une des premières stars à faire des spectacles qui faisaient rêver, avec à la fois un espèce de côté magique et merveilleux. Et en même temps, elle a été victime de cette image-là. Sylvie, c'est une des personnalités des années 60. Tout d'un coup, à un moment donné, le show business français ne la concernait plus. Et puis elle a eu envie de, comme on a toujours dit, faire des progrès. Elle a eu envie de se dépasser. Elle est allée aux États-Unis, elle a pris des cours, elle a dansé, elle est revenue avec des beaux spectacles. Chacun vit parce que peut-être que les gens, vous savez... Sylvie, c'est quelqu'un c'est une des racines, et elle vient de Bulgarie. Elle est venue en France, la France l'a acceptée, elle est devenue française. Et peut-être que les Français n'ont pas bien compris qu'elle aille aux États-Unis. Sylvie a commencé très jeune, donc on sait qu'elle a commencé dans les années 60. Mais le premier disque que j'ai eu quand j'étais enfant, c'était un disque de Sylvie Vartan qui s'appelait En écoutant la pluie. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Près de ma fenêtre, je reste à l'attendre, en guettant le bruit de ses pas. Ce que je souhaite surtout, c'est de pouvoir durer le plus possible et puis peut-être aussi de faire du cinéma ou du théâtre, des choses comme ça. Bon, ben c'est réussi jusqu'à présent. Durer, faire du cinéma, vous en avez fait ? Oui, mais enfin, je n'ai pas encore trouvé le film qui me porte et qui me donne qui envie. Qui vous convienne. Voilà. Alors ça, c'était Dominique Besnéard, hein, le directeur de casting que beaucoup connaissent. Il a parlé d'une déracinée. Et moi, c'est le point sur lequel j'aimerais qu'on parle un petit peu, c'est-à-dire la Bulgarie et sur les événements qui se sont passés il y a quelques mois. Et j'aimerais avoir votre sentiment. Votre famille a fui la Bulgarie. Je dois dire que je suis née, c'est vrai, en Bulgarie, mais que j'ai toujours été élevée. Et les 7 premières années de ma vie qui sont passées en Bulgarie, donc, ont été des années formatives, et j'ai beaucoup appris. J'ai appris la vie, en fait, pendant ces 7 ans, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses importantes et graves et difficiles en même temps, et en même temps merveilleuses. Et mes parents, mes grands-parents m'ont toujours élevée dans l'amour de la France, parce que mon père parlait français, était né en France. Et la France, c'est mon pays. En fait, quand on est arrivé, moi, je n'avais que 7 ans,
J'ai dû apprendre le français, bien sûr, mais j'attendais cette arrivée à Paris avec impatience et avec anxiété en même temps. Et c'était vraiment pour moi, et ça le reste toujours, la ville et le pays qui symbolise la liberté, parce que c'était vers cela que l'on tendait, et vers Paris que tout était fondé, nos espoirs et notre vie. Donc ce qui se passe en Bulgarie, ça vous fait plaisir quand même? Ou bien sûr, ça reste un pays quand même très éloigné? Non, je suis très, très touchée comme tout le monde, et peut-être encore plus que les autres, puisque c'est au niveau épiderme que ça se passe, en plus non seulement au niveau information, c'est-à-dire que tous ces gens qui tout d'un coup voient l'ouverture et l'espoir, et la liberté, c'est une notion capitale dans la vie d'un homme, et je pense que c'est... On y arrive, c'est merveilleux. Sylvie, on va voir quelques photos. Non, pas de photos, on s'arrête là, on va passer tout de suite à un numéro de téléphone. Le 42 48 85 85, c'est très simple, vous nous appelez et on vous fait gagner des cassettes, à condition bien sûr que vous suiviez bien l'émission Après-midi Show. C'est notre séquence Télé-Show-Fun. Voilà, 42, 48, 85, 85, tiens, venez plutôt par là, mettez-vous là, vous serez mieux là, oui, je suis sûr que vous serez mieux là. Ah oui, je vous enlève Sylvie, bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Allô? Oui. Allô, allô? Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Sylvie. Est-ce que... Jean-Pierre, écoute, je t'en prie, dis donc. Écoute, est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Oui. Allô? Voilà, ça y est, ça marche. Allô, allô, votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Sylvie. Sylvie. Ah bah tiens, ça tombe très très bien. Vous nous appelez d'où, Sylvie? De Romorantin. Alors, Sylvie, vous allez gagner la fameuse cassette qu'on propose en ce moment, Le Complot, avec Christophe Lambert, mort d'un prêtre, à condition, bien sûr, que vous répondiez, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas pris les bonnes places, c'est ça? Enfin, on peut en faire un fromage. Hein, le monde va je pas s'écrouler. Je savais que c'était ma place. Ah bon, alors on m'a fait des grands signes. Qu'est-ce qu'on me fait là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bon, alors... Non, il veut être là, non. Première question, regardez Sylvie, c'est très simple. Elle va apparaître sur votre écran. Essayez d'y répondre. Voilà, attention, c'est parti. Est-ce qu'on l'a fait apparaître cette question? Première question. Tadadam. Voilà, qui nous a brossé le portrait de Sylvie Vartan? Oui, Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, vous applaudissez Sylvie tout à parce qu'elle a mérité. Deuxième question, si vous voulez gagner 3 cassettes des films d'Éric Rohmer, dans lequel de ces films, on a parlé de cinéma tout à l'heure, dans lequel de ces films Sylvie Vartan a-t-elle tourné? Malpertuis, Chercher l'étoile ou D'où viens-tu Freddy? Bon, c'est pas très compliqué, hein. D'où viens-tu Freddy? Malpertuis, Chercher l'étoile, D'où viens-tu Freddy? D'où viens-tu, Freddy? Non. Ça, c'était vraiment le piège, hein. Mais non, c'était D'où viens-tu, Johnny? C'était le piège, oui. Voilà, non, c'était Malpertuis. Ah. Le film dans lequel Sylvie Vartan a tourné. Malheureusement, vous ne recevrez qu'une seule cassette, Le Complot, avec Christophe Lambert. On vous embrasse très, 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 très fort. Et on... Vartan, au revoir. S'il vous plaît. Pardon? Pourrais-je avoir un disque, s'il vous plaît, de Sylvie Vartan? Oui, bien sûr, alors, tout à fait. On va prendre vos coordonnées. C'est tout ce que vous voudrez, tout ira bien. On s'arrête à un disque. Eh ben, ça fait plaisir de retrouver Trini Lopez. Hein. Ah oui, tout à fait, c'est des bons souvenirs. On avait chanté tous les deux ensemble, tous les trois, je dirais, avec les Beatles en 64 à l'Olympia. Et il était venu avec son marteau. Soyez le bienvenu. Déjà. Et merci d'être à Paris avec nous, Trini Lopez. Et là, on va dans notre jardin secret, dans un jardin dans lequel on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire de la gymnastique, pouvoir se détendre grâce à notre invité. Vous allez l'applaudir très très fort, Marie-France Lucas du studio Paris Centre. Marie-France Lucas. Alors là, pour se détendre, pour faire de la gymnastique, pour apprendre les claquettes, la comédie musicale, Marie-France Lucas est tout à fait indiquée. Il y a à peu près 6000 élèves hein, dans votre ça, oui. 40 professeurs. Mon centre, 2500 mètres carrés, 9 studios de danse, en fait, etc., etc. C'est gigantesque. Bon. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve près de la place Clichy.
rue de Clichy. Clichy. Donc voilà une adresse à retenir. Mais 54 rue de Clichy. Sylvie Vartan, quand vous êtes aux États-Unis, vous pratiquez régulièrement tous les jours, vous avez vos exercices, vous courez, vous nagez. Bon, tous les jours, bon, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai qu'en temps de préparation, de spectacle ou de répétition, là on n'a plus d'heures. Mais c'est vrai aussi que je suis quelqu'un qui aime bouger. Alors que ce soit chez moi ou ailleurs, que ce soit aux États-Unis, à Paris, à Tokyo, j'essaye toujours de courir, tout du moins, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Et je pense que l'exercice est important, où que l'on soit. Et il faut qu'il soit approprié au mode de vie que l'on a. Parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver toujours un studio de danse dans un endroit, dans une ville. Ce n'est pas toujours commode. Les horaires, souvent, ne concordent pas avec votre emploi du temps. Donc il faut toujours, je crois, adapter un certain effort physique à son mode de vie. Donc moi, suivant mes voyages et suivant l'emploi du temps, où je cours, où je fais de la danse ou de l'aérobics. Bien, je vous emmène au studio Paris Centre. Vous allez voir, on y fait plein de choses. Voilà une adresse à retenir, c'est rue de Clichy. Très bien. Le temps, parce que sa profession lui permet entre midi et deux, ou parce que le soir on peut sortir. Est-ce que mais tout quand le monde... on aime ça, on trouve toujours le bien temps. Bien sûr. Ouais, ça, c'est pas une, voilà. Je veux dire que c'est pas une excuse de dire je ne peux pas ou je n'ai pas le temps. Le temps, il a toujours bon dos. Hein. Oui. Donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut toujours s'arranger. Absolument. Votre grand désir, et ça va faire plaisir à Sylvie Vartan, c'est de créer une école de comédie musicale. Voilà, nous allons ouvrir avec Gérald Maldonado, c'est lui qui m'a demandé d'être sa collaboratrice, pour monter ce département qui est la comédie musicale, car je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France d'école de comédie musicale. Et c'est un peu le rêve, et comme nous allons avoir la disponibilité avec les locaux, de pouvoir ouvrir ce département qui est chant, théâtre, danse et toutes les disciplines de la danse. Donc. Ces écoles aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y en a partout, ça fleurit. Oui, ou est-ce qu'il y a les mêmes problèmes de place? Non, de la place aux États-Unis, ce n'est pas ce qui manque. Et c'est vrai que c'est un continent, ce n'est pas un pays. Donc forcément, étant donné que le show business est roi quand même aux États-Unis et que toutes ces disciplines existent depuis beaucoup plus longtemps que chez nous, à un niveau beaucoup plus grand, et disons la compétition étant aussi très serrée, fait que toutes ces écoles sont de plus en plus performantes, et il y a un challenge et un défi qui existe et qui motive un petit peu aussi l'esprit qui anime ces écoles et les élèves, surtout, et les participants. Ça fait partie de la vie, hein, de tout Américain. Tout à fait. Alors bon, c'est bien d'essayer, et c'est très ambitieux, et c'est très bien d'essayer de monter ce genre d'opération et de donner cette ouverture aux gens qui ont envie de faire ce métier. Ben, j'espère que vous réussirez, Marie-France Lucas. Ouais, merci beaucoup. Nous souhaitons, de front au pont. Donc, on va rappeler l'adresse de votre centre. 54 rue de Clichy. Voilà, Paris. 54 rue de Clichy, allez-y, vous verrez, c'est superbe. Et vous... Moi, j'aurais une question à poser à Sylvie. Je voudrais savoir à propos des grands concerts comme elle donne en France. Je voudrais savoir comment ça se passe aux États-Unis, si elle donne des concerts aussi gigantesques, et comment ça se passe par rapport au public américain. Est-ce que la tournée est rodée de la même façon, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport au public? C'est vrai que dans les différents pays, que ce soit aux États-Unis ou en Italie ou au Japon, il y a des chansons qui demeurent toujours et de mon répertoire, qui sont les intemporelles. Et puis il y a également des chansons que je chante dans la langue, forcément, parce que il faut pouvoir toucher le public. Et je pense qu'un public ne comprend aussi et n'est impliqué dans un tour de chant que si on s'adresse à lui dans sa langue, c'est-à-dire que l'émotion puisse passer au niveau des paroles également. Et bien que mes numéros de base, disons, que ce soit les numéros chorégraphiques, existent toujours de la même manière, il y a souvent des chansons qui diffèrent. C'est-à-dire, suivant, par exemple, mes tournées au Japon, par exemple, il est sorti des tas d'enregistrements qui étaient des enregistrements live de mes spectacles et qui comportaient des chansons que je n'ai jamais chantées en France. Est-ce que vous avez apprécié, vous, le départ de Sylvie Vartan aux États-Unis? Vous m'avez l'air d'être un supporter, un fan. Ah oui, moi je trouve que c'est très bien, parce que de toute façon, je crois que Sylvie est quelqu'un de très perfectionniste. Et les États-Unis, je pense que c'est quand même le top, au niveau de la danse, au niveau d'un tas de choses. Et c'est dommage qu'on la voyait
pas assez souvent, je trouve, sur les scènes parisiennes, mais c'est... Mais c'est, ça vient. Il faut du temps aussi pour pouvoir changer un petit peu son répertoire et puis peut-être avoir un certain recul par rapport à ce que l'on fait. C'est important, surtout quand on a fait pas mal de spectacles, déjà. On a besoin un petit peu de se régénérer. Et ça va être très bientôt, puisque ce sera pour janvier 91, c'est-à-dire dans quelques mois maintenant. Voilà, monsieur, soyez patient et merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir appelé. Moi, je vais prendre le relais. Je vais poser une question à Sylvie Vartan. Est-ce que vous êtes une femme de bilan? Est-ce que vous êtes une femme qui analyse, qui se retourne et qui dit, bon, voilà, ça va faire tant d'années que je chante? Moi, bon. Je suis très mauvaise pour l'analyse, parce que si je commence à analyser, je commence à douter. Or, j'ai remarqué que je ne suis bien et je n'arrive à faire les choses que sur l'instinct. Je ne suis pas du tout analytique. Si je commence à analyser les choses, je trouve mille raisons pour faire les choses d'une manière, mille autres pour les faire différemment. En fait, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de plan de carrière ou d'études d'image ou des trucs comme ça. Mais est-ce que vous auriez pu changer? Vous avez voulu ou eu la tentation de faire un virage, de changer de non, trajectoire? Non, c'est-à-dire, je pense que suivant ma propre évolution, mes goûts et mes enthousiasmes sont en accord avec moi-même. Donc, je ne me pose pas ce genre de questions de virage ou de choses comme ça. Je fais toujours ce qui me plaît, ce qui me motive, ce qui me touche avant tout. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que quand on chante ou quand on est artiste, la sincérité, c'est pour beaucoup. Il faut d'abord s'émouvoir soi-même et pour pouvoir émouvoir les autres. Ouais. Votre grande, grande satisfaction aujourd'hui, là c'est une question un petit peu plus personnelle, c'est votre carrière, c'est votre vie aux États-Unis, ou ça reste quand même David ? C'est pas comparable. Je veux dire, on ne peut pas comparer un enfant avec une carrière. Je veux dire, ce sont des choses incomparables. Donc, on mettra la famille de côté, puisque c'est normal que ça vienne en priorité. Bien sûr, une de mes plus grandes joies, c'est le fait de pouvoir chanter plus précisément sur scène et pouvoir faire ce métier avec une grande liberté et avoir un public qui est toujours fidèle et attentif. Et que l'on peut toucher du bout du cœur, du bout des doigts quand on fait de la scène. C'est beaucoup plus sensuel et beaucoup plus fort comme sentiment et comme émotion que de simplement d'enregistrer et de passer à la télévision. Bon, c'est pour 91. Vous avez noté. Si vous voulez applaudir, vous pouvez le faire. Hein, si ça vous fait plaisir, allez-y. Sylvie Vartan. Tiens, on va regarder un clip. Comment ? On va regarder un clip. D'accord. Le clip d'une chanson que vous connaissez certainement déjà, c'était le premier 45 tours extrait du dernier album, Il pleut sur... C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah bon. Oui. Alors c'est Il pleut sur Londres, ouais. Ou sur London. Sylvie Vartan, regardez. Il pleut sur London comme il pleuvait. J'ai ton téléphone, pourtant je n'appellerai pas. La voix de Lennon chante encore Instant Karma. J'ai le cœur qui déconne, c'est sûrement le temps qui veut ça. Il pleut sur London et les guitares sont rangées. Jours passés, longtemps après.
Parfaitement, quand on a côtoyé de si près les Beatles, qu'un jour il puisse pleuvoir sur London, Sylvie Vartan. Un petit peu maintenant, oui. Bon, je sais que vous détestez les photos. Hein, on va partir de ce principe-là. Sylvie Vartan oui, déteste dépend. Être prise en photo avant attention, que je tombe. Attention. Et puis, un jour, Sylvie Vartan a rencontré quelqu'un d'assez étonnant qui est arrivé avec une idée extraordinaire pour qui n'aime pas les photos. Alors vous allez l'applaudir, Antoine Giacomoni. Et j'aimerais, Antoine Giacomoni, que vous nous expliquiez quelle est cette idée de génie qui va rassurer tous ceux qui sont assez mal à l'aise devant l'objectif. Vous avez pensé au miroir? Oui, ce sont des photos dans un miroir. C'est-à-dire que c'est une façon de travailler un peu différente de la façon habituelle. C'est-à-dire que la personne, par exemple Sylvie Vartan, elle n'a pas le photographe devant les yeux. Elle se regarde dans un miroir. Et pendant qu'elle se regarde dans le miroir, moi je suis derrière elle, donc elle sent la présence, la chaleur du photographe, si vous voulez, mais pas l'intrusion de l'appareil dans la gueule, par exemple. Voilà, et on obtient un regard beaucoup plus sincère. Je veux dire que ça m'avait séduit. D'abord, j'avais vu des photos d'Antoine, et j'avais trouvé que non seulement il était photographe, mais en plus, c'est vraiment un artiste. Il avait une façon d'aborder la photo tout à fait originale, et donc j'ai accepté avec plaisir de me prêter à ce procédé. Et ça a été vraiment concluant parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. On va pouvoir commenter comme ça ce bon titre. Beaucoup d'artistes se sont prêtés au jeu, on va dire au jeu du miroir. Alors qui c'est ça? Ça c'est Nico, la chanteuse du Velvet Underground. C'est pour elle que c'est avec elle que j'avais commencé ce concept. Ça c'est Gina X, c'est une chanteuse allemande. On va continuer tranquillement. C'est Hélène Lovitch, c'est une chanteuse anglaise. Voilà, on va dire qu'il y a... Ça c'est Japan, c'est un groupe anglais aussi, David Sylvian. Beaucoup d'anglais, vous faites dans le français aussi? Oui, bien sûr. Sylvie Vartan. Billy McKenzie des Associates. Pete Murphy de Bauhaus, qui jouait dans Les Prédateurs avec Catherine Deneuve et David Bowie. Nico, ça c'était la première photo du miroir. Voilà, ça c'est la clé, ça a commencé avec cette photo-là. Ça c'est Kili Kili, c'est le producteur de Nico, un compositeur. Et un corps aussi. Alors on va dire, hein, puisque les photos défilent, voilà que Gainsbourg est passé chez vous. Oui. Et alors vous trouvez que le résultat est plus convaincant, plus sincère, plus... Oui, je pense, il faut le demander à Sylvie par exemple. On est plus détendu, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai, mais il faut dire aussi que ça vient de la personnalité même d'Antoine et puis de la confiance que l'on a quand on voit le résultat aussi. C'est vrai qu'il a une façon de mettre en scène ses photos et d'en faire des tirages qui sont tout à fait extraordinaires et qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup de profondeur. Ce ne sont pas simplement des photos banales, clic-clac, et puis voilà, souriez. Moi, je ne sais pas trop bien faire ça. Et je pense d'ailleurs qu'il a un projet de livre, justement. Non, c'est plus qu'un projet. C'est une certitude. Il est terminé. C'est pour le mois de septembre.
Excusez-moi, qui n'est pas bien. Oui, oui, y a des, on a un fauteuil assez particulier. Non, mais ça, c'est des farces et attrapes. C'est des farces et attrapes. C'est pas grave. Donc, oui. C'est pour le mois de septembre. Ça sort le 5 septembre chez les humanoïdes associés, dans une collection qui s'appelle La Sirène. Et il y aura une expo aussi qui durera 2 mois au musée de cire de Montmartre, pendant qu'il y aura la sortie de ce livre. Et il y aura aussi des performances avec des groupes et plein de trucs autour. Ça sera assez différent d'une expo traditionnelle. Vous pouvez l'applaudir très fort parce qu'il n'est pas très en forme, il est un peu enroué en plus. Antoine Giacomoni. On va terminer l'émission, Sylvie. Je sais qu'on a parlé de gymnastique, on a parlé de forme. On va essayer de garder les formes malgré tout avec cette dernière séquence consacrée à la pâtisserie. C'est chaud à la crème. Voilà, et notre pâtissier, il est là, et Philippe Swann nous a rejoint. Si vous voulez applaudir Philippe Swann, n'hésitez pas. Quel accueil! Quel accueil! Ça va, Philippe? Bon, bah, Philippe, je vais rappeler qu'on l'a découvert il n'y a pas très très longtemps, c'était dans la rue. Dans la rue, da 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 da. Et puis maintenant, il y a un nouveau titre qui s'appelle Machine Allemand, et qui, semble-t-il, a l'air de bien démarrer. Ça frissonne, non? Hein? Ça se passe pas trop mal. Alors on va applaudir notre pâtissier puisqu'il est là. Il est là, droit comme un i. C'est monsieur Jean-Pierre Rollet. Et alors je vais aller le rejoindre. Si vous me faites une petite place, je vais aller le rejoindre parce que j'aimerais quand même lui poser 2-3 questions sur ce qu'il a préparé. Je vois beaucoup de cakes. Alors pourquoi tous ces cakes? Eh bien, un assortiment de cakes de différentes qualités. Le cake aux fruits, le cake au chocolat. Nature et à l'orange, au pruneau aussi, dans le fond là-bas. Bon, alors j'ai demandé à Sylvie Vartan si c'est une gourmande. Ah oui, oui, moi j'adore manger. Et je pense que c'est bienvenu à cette heure-ci de prévoir des cakes. Ça c'est très bien. Gentil. Avec du thé, des confitures de griottes qui sont mes préférées. Voilà, donc vous pourrez déguster. On pourra partager tout ces ça cakes avec, et faire un peu de gymnastique juste après. Alors, ce qu'on va faire, on va bientôt se séparer. Sylvie, je vais d'abord vous remercier. Pour cette première rencontre, je trouve que c'était pas mal. J'espère qu'on se retrouvera. On va rappeler que l'album Contredanse est sorti et que vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci voilà, je beaucoup. Dis souvent ça aux artistes. Mais votre accueil était très sympathique. Voilà, on va écouter Philippe Swann. Pourquoi avec pas, plaisir. On l'applaudit très fort. Machinalement, on se revoit vendredi, hein, pas jeudi, il y aura un match de rugby jeudi. Vendredi, on sera à la Foire du Trône.